Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Je vous rappelle que tous les défis sont disponibles sur ma chaîne YouTube ou sinon sur une playlist que j'ai créée avec toutes mes vidéos Quête Fortnite chapitre 4. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour déchiffrer le message du paradigme sur un de ces terminaux. On va lancer la partie pour pas perdre plus de temps et je vais vous montrer mon petit code créateur, ENDSKEW, pour me soutenir si vous achetez le pass de combat ou des skins dans la boutique, ça me ferait très très plaisir. Et puis comme je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, je suis un petit youtubeur, donc ça me soutient beaucoup. En échange de mettre mon code créateur, je vous fais des vidéos de défis pour vous aider. Je trouve que c'est une bonne chose, tout simplement. Alors, ce défi, pareil, il a l'air très simple. Et pourtant, je vais vous montrer comment le faire de manière simplement. Ça ne veut rien dire. Alors, du coup, les gars. Hop. Quand on va dans Quête, vous pouvez voir que on voit déjà les emplacements. Donc peut-être qu'il y en a, ils n'auront même pas besoin de la vidéo. Mais en fait, si vous regardez bien, sur les trois emplacements, donc n'importe lequel marche, il y en a un près de la citadelle et il y en a un près d'une autre grosse ville. Le seul qui est au milieu de la campagne, c'est celui-là, les gars. Et c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi? Solution très simple, franchement. C'est parce que il n'y a pas de ville à côté. Voilà. Et comme il n'y a pas de ville à côté, c'est le moins dangereux. Et donc, forcément, c'est le plus facile. Eh oui. Technique de rat ou pas? Technique de rat. Hop, on va récupérer ça. Du coup, voilà. Pourquoi je suis sur mon compte secondaire? C'est parce que j'ai déjà fait les défis sur mon compte principal. Et carrément, les gars, je voulais faire ce défi. Je suis allé ici. Voilà, je suis allé là. Et il y avait des ennemis. Et donc, je suis mort avant de faire le défi. Donc, voilà. Maintenant, carrément, je connais toutes les strates. Eh oui, on me la fait pas à moi. Comme d'habitude, il n'y a pas de montage, les gars. Ça évite de perdre du temps. Et puis comme ça, vous voyez en direct que c'est facile à faire. Vous allez voir, en même pas 5 minutes, j'ai fait le défi. Franchement, tout le monde peut y arriver. Et donc, on saute. Sauter quand il reste à peu près 1000 mètres, c'est ce que je vous conseille. Comme ça évite de sauter n'importe comment. Hop. Vous spawnez assez loin, voilà. Je veux pas vous apprendre les spawns non plus, hein. Mais bon. Comme ça, regardez. On va faire un atterrissage parfait. Hop. Je vais remettre ma chaise parce que je suis un peu loin. Parfait. Comme ça, vous m'entendrez mieux. Hop. Et donc, vous pouvez voir directement sur votre carte. Bon, là, il y a beaucoup de choses sur la carte. Il y a un distributeur, il y a un contrat, il y a plein de choses. Mais le plus important, ce qui nous intéresse, c'est le petit losange. Et c'est juste là. On l'interagit. Et voilà. Sur la map, je vous remontre où c'est, juste là. Parfait. Franchement, y a rien de plus simple. Hop, on va quitter la partie. Toujours je quitte la partie. Il n'y a qu'une seule vidéo où j'ai pas quitté la game. C'est parce que ben je me suis fait tuer. Mais sinon, je quitte tout le temps pour bien vous montrer que c'est validé. Évidemment, on n'oublie pas le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront. Et puis on n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire. Allez, ciao!